Donc là, nous, c'était un atelier, ben, c'est plus pour les problèmes qui bloquent le démarrage en sol vivant. Donc soit les gens qui débutent, qui commencent en agriculture, soit les gens qui sont déjà maraîchers et qui ont envie de changer de pratique. Donc ben, vous avez vu ce matin un peu toute la liste de questions qu'il y avait avec les 16 thèmes. Je ne sais pas si tout le monde a pu les lire, en tout cas parmi ceux qui n'ont pas fait l'atelier débutant. Donc, il y a eu 16 thématiques qui émergeaient, donc des questions qu'on vous a soumises par Internet lors de l'inscription et après l'inscription. Et d'ailleurs, je vous remercie pour la réactivité de la plupart d'entre vous, parce que beaucoup d'entre vous ont contribué et on a eu énormément de matière avant la journée. C'est très très chouette. Merci beaucoup à tous. Donc, parmi ces thèmes, certains n'ont pas. Non, en tout cas, moins retenu l'attention des participants que d'autres. Donc, il s'agit par exemple de la concurrence. Pourtant, c'est un thème qui revenait régulièrement dans les questions à l'inscription. La concurrence aux nutriments entre culture et couverts végétaux ou végétation spontanée. Les itinéraires techniques et les rotations. Donc, bon, mais très bien, ça a été traité par contre dans l'autre atelier. La fertilisation, c'est vrai que c'est un thème qu'on n'a quasiment pas abordé. Donc, voilà, on n'a pas du tout parlé de fertilisation. Ça aussi, bon, à voir. Il y a sûrement des choses intéressantes à voir avec ça. La gestion des passe-pieds. L'irrigation. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé d'irrigation. C'est peut-être parce que voilà, je pense que si on avait fait cet atelier-là l'année dernière dans la Drôme, je pense que ce thème-là aurait beaucoup plus retenu l'attention qu'ici en Normandie, probablement. Et le choix des espèces et des variétés cultivées. Donc bon, on n'a pas parlé de génétique, même si bon, c'est quand même quelque chose d'incontournable, mais c'est pas ce qui a retenu l'attention. Donc et aussi deux autres thèmes, d'autres thèmes qui n'ont pas été traités, c'était non pas celui-là, la mécanisation, ce que, où est-ce qu'il est, mé voilà, mécanisation et c'est tout, et la économie. Il est où? Il est où? Économie. Économie. Voilà, il y a deux autres thèmes qui auraient dû être traités, mais finalement il n'y avait qu'une personne dans chaque atelier, donc du coup il n'a pas été traité. Pourtant, celui-là, il y a quand même beaucoup de gommettes rouges dessus. Donc, c'est de l'économie, du MSV, donc tout ce qui est trait à des questionnements économiques. Hein. Donc, ça n'a pas été traité malheureusement, donc ça sera sûrement à faire prochainement. Et la mécanisation, qui pourtant aussi a eu beaucoup de gommettes rouges, mais qui finalement n'a pas. Voilà. Finalement, les participants ont choisi d'autres ateliers pour travailler. Voilà, donc ces thèmes-là, bon, bien sûr, ils seront sur Internet. Les questions qui ont été mises en évidence seront sur Internet. Et voilà, rien n'empêche de continuer à travailler sur ça ensuite, que ce soit via le Google Group ou via le Wiki, bien sûr, que moi la main est en train de nous mettre en place. Alors ensuite, les thèmes qui ont été traités. Alors, un thème qui était très récurrent dans les questions et qui a aussi, ben, comme vous pouvez le voir, beaucoup retenu l'attention des participants, la gestion de l'enherbement. Y a-t-il un volontaire pour nous parler de la gestion de l'enherbement? Ouais, formidable. On l'applaudit très fort. Volontaire désigné. Encore mieux. Bon, je le tiens. Non, mais vas-y, mets-toi d'un côté, je tiens de l'autre. Alors, gestion de l'enherbement. Alors, quel couvert végétaux pour quel adventice? Alors, le seigle contre le chiendent, le sarrasin contre les rumex, la phacélie aussi contre les rumex, le radis chinois contre les annuels et le trèfle blanc dans les interrants. Après, la question suivante, c'était gestion des adventices. Alors, éviter le travail du sol, l'occultation, la technique des faux semis. Et un apport de carbone pour provoquer une fin d'azote. Alors la question suivante, c'était le désherbage est-il systématiquement nécessaire? Alors non sur les cultures à cycle court. Et suivant stade d'avancement de la culture. Et oui si les adventices en floraison avancée ou production de graines. Alors si oui, avec quelle technique? Donc la technique manuelle que tout le monde connaît.
les dents, les griffes, le broyage en été, et les couverts végétaux, la tonte ou égale occultation. Et la rotation des cultures maraîchères. On avait bossé quand même. Hein. Alors, quelle plante faut-il enlever? Alors, le rumex, les panais sauvages, le chiendent, les chardons, la potentille, la menthe, la prêle, le liseron, les orties, le mouron et les chénopodes. Il y a du boulot. Hein. Doit-on arracher les racines? Alors, oui, pour les vivaces. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, le thème suivant, c'est implantation des cultures et semis. Ça, c'est une très grande question aussi. Alors, j'ai pas le. Implantation des cultures et semis. Il est où? Voilà. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est revenu très régulièrement dans vos contributions sur Internet. Hein. Comment implanter une culture dans un couvert ou dans un paillage. Bon, il faut reconnaître quand même que ce matin, il y a eu pas mal d'indications sur ces thèmes-là, hein, dans les interventions de ce matin, et aussi celles qu'il y a eu pendant l'atelier. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est partant, chaud pour exposer? Oui? Non? Il n'y a personne. Bon, mais je vais essayer de le faire. Alors, du coup, alors, on va le faire nous. Il y a deux pages, voilà. Il y a deux pages à dire. Il faut que vous m'aidiez, ceux qui ont fait l'atelier, là, parce que je ne sais pas si je vais vous suivre forcément vos notes. Je veux bien que tu m'aides à tenir Alors, pas de difficulté particulière pour les plants. Pour les graines, donc semis à la volée, facile en un couvert dressé. Semis de précision en ligne, donc avec un semoir avec découvreur et ou chasse débris. Des bandes préservées. Ensuite, semis. Statistiques en ligne, donc ouverture du couvert, mulch, ici il y a de la mulch, donc à la main ou à la débroussailleuse ou pré-germination conseillée pour les graines longues à germer. Là, tu lis mieux que moi, toi. Hein. Et comme la carotte, voilà. Mélange de graines, marc de café et compost mûr, répartition sur la ligne ouverte dans le mulch. Existe-t-il des semoirs manuels et ou à traction animale? Quel modèle? Bon, apparemment, ils ont séché sur la question. C'est ça? Ouais. Bon, là, peut-être que justement, c'est l'autre atelier qui peut nous aider. Épaisseur du paillis et contact de la graine avec le sol. Non, c'est pas le même atelier, ça. C'est l'implantation d'instruction. Non, ça, c'est destruction. Ça. Non, c'est tout. Ça a l'air un peu de finir brutalement, mais bon, on est d'accord. Bon. Apparemment, donc les deux dernières questions, ils ont séché. C'est pas grave, on le dira. Et puis voilà. Après, bien sûr, si d'autres personnes veulent compléter ou si les résultats de l'atelier, de l'autre atelier, permettent de répondre à ces questions-là, eh bien, ce sera bien évidemment mis dans les documents. Alors ensuite, c'est quoi? C'est implantation de destruction avec quoi? Alors je n'ai pas celui-là. Implantation de destruction. Non, 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 c'est pas le même. C'est couvert végétaux, ça fait partie du couvert végétaux, ça. C'est ça, hein? C'était l'atelier couvert végétaux, ça? Ouais, alors il y a quelqu'un pour le présenter. Génial, il y a quelqu'un pour le présenter. Oui, en fait, c'est un thème où il y avait de très nombreuses questions qui étaient posées et on s'est arrêté que sur les deux plus demandées. D'accord. La première étant portant sur l'implantation et la destruction des engrais verts, lesquels, comment et avec quoi? Alors, on s'est d'abord posé la question de avec quoi, c'est-à-dire comment en fait. Hein, on a donc évoqué la destruction par roulage au stade floraison. A été abordée la question du simple fauchage, en sachant qu'on a plus parlé des inconvénients potentiels du fauchage que des avantages. À savoir notamment une répartition hétérogène de la masse végétale, et puis le fait qu'elle n'est pas broyée, qu'elle reste fibreuse. On a donc évoqué le broyage, le gel pour les couverts végétaux d'été, et puis on a évoqué donc le roulage avec destruction, donc
le rouleau FACA. On a fait un petit dessin pour bien expliquer de quoi il s'agissait. L'implantation des lames en système hélicoïdal et puis des lames inclinées par rapport au rouleau. Et on a également parlé du roulage, du simple roulage avec occultation, qui pouvait nécessiter un délai donc, à prendre en compte dans la mise en culture suivante. Et on a parlé, est-ce que le semis était facilité après occultation? On s'est posé la question. Et on a également évoqué la question de la double occultation pour faire un faux semis. Avec quoi donc on a également évoqué le fait qu'il fallait une forte densité pour étouffer les adventices au moment de la destruction. Et pour l'implantation, on a juste évoqué le semis à la volée en sachant que c'était pas pour mettre de côté les autres modes de semis que sont les semoirs classiques. Quels engrais verts donc pour les couverts végétaux et comment les implanter? Alors on a parlé du seigle. Parce qu'une personne dans le groupe a dit que ça faisait une belle culture qui ondulait dans le vent. J'ai trouvé ça très bien. Bon, en dehors du fait que c'est effectivement très efficace contre le chien dent. Le plombage après semis, c'était dans la rubrique précédente. Pardon, c'est un peu mélangé. Oui, fallait-il plomber après le semis? Est-ce que c'est important? À quelle profondeur il fallait semer? Bon, ça c'était... Je reviens donc sur quels engrais verts. On a parlé des mélanges d'espèces, donc de la nécessité de mettre plusieurs espèces et jusqu'à combien. Ensuite, donc, pourquoi donc un engrais vert? Est-ce que c'est la question à se poser au départ, c'est est-ce que c'est pour une simple couverture du sol ou est-ce qu'il y a un but précis, notamment la fertilisation, enfin apport d'éléments fertilisants, hein, les légumineuses entre autres. Et puis voilà, après on a évoqué les périodes d'implantation, mais le temps était trop court. Donc ça pourrait être implémenté sur le wiki. Voilà. Merci, merci beaucoup. Donc voilà un thème là qui apparemment, donc déjà on voit qu'il y a plein de gommettes rouges. Donc les gommettes rouges, ça veut dire que c'était le thème le plus important pour beaucoup de gens. Hein. Et là, on avait à peu près entre 20 et 30 personnes qui voulaient faire cet atelier-là. Donc du coup, on a dû séparer, donc faire deux groupes pour cet atelier-là, ce sous-atelier-là plutôt. Et donc, donc, comment démarrer en maraîchage sur sol vivant? Donc là, on a donc bien sûr deux fiches, du coup. Deux fiches, donc est-ce qu'un des deux groupes... Voilà, veut bien. Est-ce qu'il y a des orateurs dans un des deux groupes? Voilà, super, bravo. Donc toi, c'est celui-là, ça. Celui-là, ça. Alors, démarrage progressif, donc on avait déterminé sur plein champ et tunnel. Pour commencer, donc, on s'est posé la question d'observation, donc avec une analyse du sol et un profil du sol. L'observation nous permet donc de déterminer est-ce qu'on a un sol qui est abîmé ou est-ce qu'on a un sol qui n'est pas abîmé, c'est-à-dire un sol pas abîmé, un sol vivant, comme la prairie. En fonction de ces deux types de sols de démarrage, en sachant qu'il y a peut-être d'autres possibilités, nous on s'est arrêté que sur ces deux possibilités. Donc on fait une analyse de sol pour voir s'il y a des manques, surtout notamment dans le cas des sols abîmés, donc en état des lieux. Après on décide donc comment on peut récupérer ce sol, donc on détermination d'un couvert végétal. Alors, sur quelle durée et quel type de couvert végétal, le problème se pose en termes de pression financière ou non. Est-ce qu'on doit démarrer tout de suite ou est-ce qu'on a du temps? Il faut savoir que pour certaines personnes qui s'installent, il faut s'installer très vite. Il y a des impératifs financiers, donc on ne peut pas travailler le sol comme on l'entend. Si on a un peu de temps, eh ben, on peut faire une prairie temporaire. On fait ce type de traitement, alors si on a un peu moins de temps, on le fait parcelle par parcelle. C'est-à-dire que vous avez une partie que vous n'allez pas vous occuper, vous allez la faire en conventionnel, et une partie que vous allez traiter soit avec donc un couvert végétal, mais parcelle par parcelle.
Donc ça, c'était la première partie. Donc si vous avez un sol abîmé, on a également pour le sol vivant, c'est-à-dire une prairie en démarrage, soit on faisait un engrais vert, soit l'automne, soit l'hiver, toujours pareil. On a peut-être une détermination par rapport à la pression financière. Et autrement, le deuxième système, on avait déterminé l'occultation. Alors vous avez soit une occultation par un apport de compost assez important sur une épaisseur de 7 cm, l'équivalent de 47 tonnes à l'hectare, soit une occultation par bâche tissée, soit le passage d'un outil à dents. Alors il y avait également, donc du coup par rapport à ça, on s'était déterminé, il y a ceux qui démarrent avec ou sans mécanisation. Vous avez des gens qui démarrent de rien, donc ils peuvent effectivement prendre l'option tout de suite du maraîchage sol vivant. Et puis vous avez des gens qui démarrent avec déjà du matériel, notamment les gens qui sont issus de l'agriculture. Donc du coup, on a rebondi par rapport à ça, sur la mécanisation, puisque dans notre liste, il y avait la question quel matériel utiliser. Donc vous avez, pour ceux qui sont sans travail du sol, les bâches. Et pour ceux qui ont du matériel, on avait déterminé, donc il y avait le tracteur, bien sûr, le cultibut, le cover crop, le strip deal qu'on a vu ce matin, ou alors le rouleau FACA, dont on a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, le deuxième groupe, est-ce que quelqu'un... Oui, super. Génial. Ouais. Alors voilà, donc ils ont exploré, je crois, une toute autre manière, de manière très différente, le fait de démarrer en maraîchage sur sol vivant. Oui, donc du coup, il y avait deux options, c'était à partir d'une prairie ou à partir d'un sol à nu, mais il me semble que non, enfin, c'est même pas comme ça qu'on l'a traité. En tout cas, sur prairie, on est parti de y a plusieurs idées. En fait, ça vient d'une expérience qui a été réalisée. Donc, du coup, soit en cover crop, puis un coup de herse et du paillage, donc avec du BRF, de la paille ou de la tonte. Ensuite, une autre option en cover crop plus fumier, on laisse passer l'hiver et puis on plante directement dessus. Sinon, il y avait l'isorel. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, l'isorel, c'est du bois compacté. Vous pouvez récupérer ça, c'est un déchet des grandes surfaces. Et il n'y a pas de colle, c'est tout naturel. Et donc ça se décompose assez lentement. Ça permet donc d'occulter. Sinon, il y a le fumier directement plus du carton recouvert de paille. Ensuite, il y avait une option aussi plus approche permaculturelle avec des cochons. D'expérience, ça ne marche pas forcément comme on souhaite. Ça tasse plutôt le sol qu'autre chose. Du coup, après, il y avait la notion de timing pour choisir son couvert, enfin pour implanter son couvert végétal, et donc du coup, ça implique le choix du couvert. Alors ensuite, sur une autre expérience, donc de la couverture permanente, donc en association ou en interculture avec une biomasse pour limiter les risques d'échec à la levée. Le mulch, remonter le travail du sol petit à petit jusqu'au gratouillage. Donc en gros, l'idée, c'est de dire on travaille très peu le sol au départ et puis petit à petit, on remonte les horizons. Alors voisin avec un semoir de semis direct. Donc j'imagine que la personne qui est là et qui a écrit sur ce papier et qui s'est donc désistée, parce que c'était elle qui devait présenter. Non mais... Ah, on peut lever le doigt, ouais. On peut le regarder, on le U au fond. Donc du coup, sinon, on peut essayer sur des petites surfaces pour se rassurer. Donc c'est une bonne idée. Essayer sous serre, donc contrôle de l'environnement, donc pour l'eau au démarrage. Et donc on plante une motte dans le mulch, les racines feront le reste. Je comprends pas trop, mais oui, sans doute. L'arrosage goutte à goutte et observer et voir ce qui marche chez soi. C'est une bonne recommandation. Merci beaucoup. Donc, la thématique suivante, c'est la gestion du sol. Vaste sujet, gestion du sol, compaction, hydromorphie, amendement, activité biologique, donc avec plein de... Voilà, super, il y a un volontaire, j'ai même pas besoin de l'appeler, il arrive tout de suite, c'est génial. Ça
ça va aller d'autant plus vite qu'on n'a pas mis grand chose sur le papier. En fait, on avait l'impression de redire beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. On posait des questions un petit peu en particulier sur les sols argileux hydromorphes, sur les sols sableux, puis on a parlé un peu de mycorhizes. En gros, que pour les sols argileux hydromorphes, ce qu'on s'est dit, c'est que... Enfin, la question, que ce soit qu'on aille sur un sol argileux ou un sol sableux, c'est comment est-ce qu'on remet en vie un sol. Et donc, les solutions, c'est de couvrir le sol. Donc, c'est des techniques de paillage donc, qui doivent être grossiers pour bien faire. Dans le cas d'un sol hydromorphe, on peut imaginer de planter des arbres aussi pour, en quelque sorte, un peu drainer, limiter l'eau qu'il y a là-dedans. Et puis, implanter des cultures de couverture, donc à racine pivot, par exemple, dans les sols argileux et lourds qui vont un peu décompacter tout ça. Et du seigle qui va faire du travail un peu plus fin. Et puis pour les sols sableux, donc l'objectif c'est d'avoir une couverture permanente. Donc, voilà. Et puis on a parlé un petit peu de mycorhizes parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé autrement dans la journée. Donc en fait les mycorhizes c'est une symbiose entre les racines des plantes et puis les champignons. Donc ça permet aux plantes ça aide les plantes en fait à récupérer plein de petits nutriments. Et donc si on veut les favoriser en fait il faut éviter il faut éviter les engrais phosphatés, les produits phyto et le travail du sol, donc en sol vivant, dans les techniques de maraîchage sur sol vivant, a priori là-dessus on est pas mal. Et si on voit que si on a l'impression qu'il manque des mycorhizes, il y a aussi moyen de les apporter par des inoculants par exemple. Voilà, donc il nous reste quoi ? Là, c'est les ravageurs. La vaste question. Donc là, on se remarquera qu'il y a eu beaucoup de quelque part de réponses. Donc on pourra céder sûrement de ce qui sort de l'atelier confirmé aussi pour compléter les réponses à cet atelier-là. Est-ce que quelqu'un est volontaire ? Oui, il y en a un qui arrive là. Il y en a deux. Il y a deux gestionnaires des ravageurs. Ah oui, il y a deux. Non, ah non, c'est le même atelier. Bonjour. Bonsoir. Ah, c'est vrai. Ça a l'air bien emmerdé. C'est pas facile en fait de parler dans un micro. Je comprends pourquoi il y en a qui se sont enfuis. Donc tout ce qui concerne ravageurs, nous on a discuté des limaces, des rongeurs et puis un tout petit peu des taupins, mais les taupins on n'a pas réussi à trouver des choses bien à répondre. Donc limaces, il a été dit beaucoup de choses, on a tourné autour de pas mal de choses et puis on n'a pas sorti énormément de solutions. Bon, il y en a un petit peu quand même. Entre autres essayer de favoriser tout ce qui était auxiliaire. Oui, de raisonner une préférence alimentaire, c'est-à-dire a été abordé le fait de choisir un petit peu l'emplacement de nos cultures en fonction des zones à limaces, c'est-à-dire de privilégier par exemple des pommes de terre ou des choses comme ça ou qui n'en sont pas trop fans. Ont été abordés aussi des petits trucs de jardin, mais qui sont difficilement applicables sur des grandes cultures. Si le cendre sur... mais voilà, on l'a bien dit, c'est difficile à faire sur grande échelle. A été abordé aussi tout à l'heure ce qu'on avait, avec un point d'interrogation, et ça a été dit tout à l'heure, champignons qui pourraient détruire les œufs et petite limace. Mais bon, là, il y a une susceptibilité qui est restée en question. Après tout ce qui est rongeur, favoriser tout ce qui est prédateur, donc sauvage et domestique, donc chat évidemment. Et puis est abordé des poteaux, des piquets pour tout ce qui est prédateur volant, genre chouette ou choses comme ça. Et piégeage aussi. Mais voilà, ça reste des solutions très légères. Pas de solutions très très radicales.
super, merci beaucoup. Alors, une limace. C'est quoi ? Ouh là là, c'est là où l'agroforesterie. Alors l'agroforesterie, c'est des bavards. Hein. L'agroforesterie aussi, c'est marrant, je n'ai pas eu tellement par internet de questions sur l'agroforesterie. Mais alors là dans la salle, ça y a été. Apparemment l'agroforesterie, ça en passionne plus d'un et puis il y a plein de réponses aux questions. Bon, en même temps, ils ont triché, ils avaient pris dans leur groupe l'intervenant de ce matin, hein, qui est un expert en agroforesterie numéro 1, là. que je vois même pas. Oui, il est passé où André d'ailleurs, il est parti. Ah ouais, il est parti, non, je vois plus. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour exposer ce que vous avez fait en agroforesterie? Oui? Non, si, si, non, tu n'as pas fait l'atelier agroforesterie. Bon, alors je vais essayer de m'y coller, il y en a un paquet en plus, là. 5 pages. Mm-hmm. Bon, alors, à quelle distance d'arbres fruitiers peut-on cultiver? Alors, gestion concurrence racinaire et solaire, définition du système F, je sais pas ce que ça veut dire, en fonction des objectifs, d'accord. Productifs, expérimentaux, gestion de la santé et de la qualité des fruitiers, respecter le pied du fruitier, nourrir les racines de surface. Comment orienter les fruitiers? Suivre les courbes de niveau, prendre en compte les vents dominants, tendre vers une bonne productivité, faire rentrer de la lumière, contribuer à un écosystème équilibré pour une lutte contre les ravageurs. Plantation en U, piège à la lumière, microclimat. Généralement, alors j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit, Nord-Sud écrit, Nord-Sud. Plantation en ligne, de bons déplacements, pas de protection en courbe, microclimat, difficulté d'exploitation. Question 2, semis direct de fruitiers. Bah, tout un programme. Passage dans un système digestif. Arbre plus fort, oui, non, mais bon, c'est des choses que j'ai, qui se font, absolument. Arbre plus fort mais plus grand, difficile de collecter les fruits. Voilà, vous les faire manger à des poules, vous mettez des poules pendant 24 heures, vous leur donnez à manger et puis vous récupérez les... Bam, voilà, ça je l'attendais, je sais pas pourquoi, mais c'est le poids des arbres, je crois. Il faudrait quelqu'un qui tienne en fait derrière, là, je sais pas, c'est... Il y en a qui... En plus, on est filmé, je dis pas. Alors, arbre plus fort et plus grand, difficile de collecter les fruits, guider l'arbre, l'arc, je ne sais pas ce qu'il y a écrit, favorable à la fructification, rester sur du franc qui pousse déjà bien sur son terrain, meilleure qualité biologique, problème de sécurité du travail, récolte de bois possible. C'est intéressant parce que je remarque que c'est des conclusions très différentes de ce qu'on voit par exemple dans certains jardins où ils sont plutôt partis sur, justement sur du nanifiant pour, dans ces situations-là. Ouais. Intéressant. Agroforesterie, donc développement des fruitiers les premières années, tout se joue lors des deux premières années, donc il ne faut pas de concurrence, une bonne irrigation, contrôle des rongeurs et fertilisation avec un point d'interrogation. Étudier la biologie de l'arbre dans son environnement, reconstruire de la litière de forêt avec un tas de mulch, attendre un an, ne pas mettre de fumier dans le trou, choisir le bon arbre, choyer l'arbre par biomimétisme, plantation sur but favorise... Oui, choisir, oui, c'est pas ce que j'ai dit, non ? Plantation sur but favorise la santé de l'arbre, réchauffement du sol, bonne porosité, indiquée pour sol lourd. L'humidité, indispensable pour la reprise. La qualité du fruit implique l'irrigation. Donc là, on n'a pas parlé d'irrigation en maraîchage, mais on en parle pour les fruitiers, en tout cas. Alors, oui, c'est bon, tu peux enlever. Agroforesterie, question 4, variété et essence auxiliaire. Donc auxiliaire, favoriser des haies d'une douzaine d'espèces pour créer des conditions d'abri et de vie optimales. 4 à 5 espèces permettent d'avoir de premiers bons résultats. Prioriser les espèces sauvages, faire attention aux espèces pouvant amener des maladies comme l'aubépine. Retrouver des variétés anciennes, utilisation des arbres légumineuses, établissement des symbioses entre fruitiers et micro-organismes du sol, protection des pêchers par l'ail, plantation de bulbes en pied des arbres, voire CTIFL, biodiversité en arboriculture fruitière. Et enfin, la question 5, base technique pour lancer son projet. Projet SMART, il y avait quelqu'un de la FAF dans le groupe, non? Qui a fait de la pub, là, non? Je pense, hein. Projet SMART, recherche référence pour privilégier, plus projet privilégié agroforest, ouais. Plus projet installation, voire site internet. Enfin, ils font de la pub pour le site internet de SMART, là. Ouais, on voit.
Rencontre régionale. Bon, ils ont donné de l'argent pour les rencontres, hein. On comprend. Rencontre régionale, une fois par an. Inscription projet sur Wiki avec carte MSV. Sympa, ils font aussi de la pub pour nous. Mettre en place un système d'aide pour donner accès aux porteurs de projets, aux savoirs, experts et conseils. Alors là, MFARC ORCGB, ferme pilote, d'accord. C'est dans quel pays ? Angleterre, d'accord. ERAF, colloque juin 2014, survol de tous les projets européens. Donc ça veut dire que les actes sont en ligne ou quelque chose comme ça ? Non, je ne sais pas. Probablement, j'imagine. Alors ensuite, on a quoi là ? Ah oui, encore quelqu'un qui nous a mis des trucs en paysage, donc ça va être chaud encore à tenir. Ah oui, c'est les gens qui font des buts, voilà. Donc forcément, comme ils ont l'habitude de bouleverser, pour faire des buts, ils ont aussi bouleversé un truc. Donc un volontaire là pour nous décrire les buts, nous parler de buts ? Non, 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 pas de volontaire pour nous parler de buts. Si ? Non ? Non, 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 j'ai cru, dommage. Pourquoi il y a deux ? Donc ils nous ont fait déjà, voilà, dans la restitution, déjà ils nous ont mis le magnifique cycle que ça que tout le monde doit afficher. Oh, aïe. Donc au-dessus de son bureau de maraîcher, d'agriculteur en général, voilà la fabuleuse courbe de minéralisation de la matière organique et de libération des nitrates. Voilà, donc effectivement, hein. Donc là où on risque d'avoir des problèmes de fin d'azote, hein, début de saison et en milieu d'été. Très bien. Donc bon, là on va pas trop s'étendre dessus. Et donc pour les buts proprement dit, donc deux pics d'azote. Donc voilà, c'est ce que vient de mettre du carbone au niveau du pic automnal. Donc la majorité des nitrates sont libérés à l'automne. Feuilles, paille, pousses légumineuses. Alors, comme piège à azote pour ne pas le perdre. Voilà, donc là, ils ont remis la courbe en petit format. Moment de fin d'azote. Alors, avantage de la butte, drainant, réchauffement du sol. Intérêt de mettre du bois, donc de mettre du bois dans la butte. Concentré d'énergie carbone à condition aérobie, sinon on fait de l'ensilage. pH acide. Pas de problème de fin d'azote, mais problème de temps. Comment faire, que choisir sur butte entre couvert végétal et paillis ? Enfoui en matière carbonée, fin d'azote qui dure 3 mois, carbone qui reste à la surface du sol. Si l'azote est trop présent, intensifier la production. Condition 30 tonnes de matière carbonée par hectare. 30 tonnes. Je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire à la fin. Là. Est-ce que c'est un apport, un amendement, une production de biomasse ? Pardon ? Je n'ai pas bien compris là, la dernière ligne. Je ne sais pas si on peut avoir un éclairage. Ouais. Pardon ? Ouais, bon, il faudra qu'on ait un petit éclairage pour les restitutions, parce que là, c'est pas très clair. En tout cas, dans mon esprit, c'est pas clair ce que ça veut dire. Alors, il nous reste quoi ? C'est fini ? Ah, mais c'est fini ? Ah, mais c'est fini, c'est génial. Bon, merci à vous tous.